Bonjour. Bonjour. De quoi avez-vous besoin maintenant que vous arrivez à engranger un peu à domicile pour accrocher une plus grosse équipe, entre guillemets? Qu'est-ce qui vous manque? Un résultat positif à Monaco. À la maison, bon an, mal an, on fait ce qu'il faut. Et c'est bien de gagner à domicile, mais c'est à l'extérieur qu'on voit les bonnes équipes. Et qu'est-ce qui vous manque face à ces équipes qui sont peut-être meilleures techniquement, un peu au-dessus, comme pouvait l'être Marseille, comme a priori les Monaco? Manque de jouer notre jeu. J'aime pas quand l'équipe donne le match. C'est l'impression que j'ai eue à Lens et c'est l'impression que j'ai eue un petit peu à Marseille parce qu'on avait abdiqué au bout de 4 minutes. J'aime que mon équipe résiste, qu'elle joue sa chance à fond parce que oui, il est possible de gagner partout. Il faut qu'on en soit convaincu. Ne pas être dans la réaction. Quand on a la pression à domicile, même si c'est pas toujours très beau, on arrive à assumer le résultat. Alors qu'il faut enchaîner, il faut faire des séries dans le football, il faut savoir qu'on a des forces parce qu'on est solide défensivement. Une des meilleures défenses du championnat. Faire 6 matchs sans prendre de but, je pense que c'est très bien. Mais il faut que ces fondations soient à domicile comme à l'extérieur. Voilà, à la maison, on a quand même fait 5 matchs sans prendre de but. C'est rare quand même. C'est rare. Donc il faut qu'on retrouve ça à l'extérieur et qu'on y ajoute bien sûr le petit plus pour essayer de prendre 3 points. Il vous manque ce match référence face à un gros du championnat? Tous les matchs valent 3 points. Est-ce qu'aujourd'hui Monaco est un gros du championnat? Normalement oui, mais ils font un peu. Un début de saison chaotique. Un peu comme nous. Ils doivent chercher la bonne formule, ils doivent chercher la bonne équipe. Ils ont des joueurs de très haut niveau. Parce que quand on regarde l'effectif et le nombre de pros, on est inquiet. Mais même s'ils sont invaincus à domicile, parce qu'ils ont fait 2 victoires et 2 nuls, ils ont à l'extérieur des manques. Donc l'entraîneur doit être comme moi, il doit chercher. Pour vous, la bonne formule, c'est celle de la deuxième mi-temps à Nîmes? Contre Nîmes, pardon. Elle était toujours meilleure que la première mi-temps où je ne comprenais pas cette fébrilité. Je ne comprends pas pourquoi on est fébrile au football avec tous les événements qui se passent autour de nous. J'arrive pas à comprendre que quand on fait le plus beau métier du monde, on arrive à trembler avec le ballon. Donc ça m'insupporte. Bonjour. Justement, contre Nîmes, Jimmy Briand est rentré, il a mis un but contre Alavés. Qu'est-ce qu'il continue d'apporter à 35 ans à votre équipe? Ce qu'il a fait en rentrant, c'est-à-dire il amène un état d'esprit, il amène du jeu, parce que c'est quelqu'un qui fait bien jouer l'équipe et en plus l'efficacité. Voilà, c'est tout ce que j'attends de lui. Et vous êtes surpris de le voir durer encore à ce niveau-là à 35 Pas ans? du tout, pas du tout. Si mes prédécesseurs ont prolongé son contrat, ça veut dire qu'il est encore apte à être un attaquant de haut niveau. Et j'espère que la barre des 100 ne va pas être une fin en soi. On va continuer comme ça. Vous l'utilisez beaucoup comme joker entre guillemets sur la dernière demi-heure. C'est voulu parce que vous pensez que c'est là qu'il peut apporter le plus ou... Ça peut changer. Ça peut changer. Sur les 8 matchs, il en a démarré un à Lens.
Après, c'est ce que je vois à l'entraînement, c'est l'adversaire, le match, comment il va se dérouler. Là, on joue contre une équipe qui, même à Lyon, a eu 65 ou 70% de la balle. Donc on imagine un petit peu le match et comment jouer un adversaire qui a la possession et qui est dans votre demi-terrain. Ça va être une stratégie. Après, elle sera bonne ou elle sera mauvaise. C'est le résultat qui nous le dira. C'est lui qui a la meilleure connexion avec Atem, au niveau du jeu, au niveau de la compréhension du jeu. De par son expérience, peut-être ? Oui, puis ils se connaissent depuis tout petit, je pense. Ils étaient à Clairefontaine ensemble. Et ils ont cette recherche. C'est deux très bons footballeurs. Donc, Jimmy sait de quoi Atem est capable, donc il se positionne souvent à l'entraînement pour recevoir le bon ballon et il a la bonne position. Parce qu'au niveau du démarquage et de la sensation du jeu, Jimmy c'est le plus fort. Un autre joueur qui a fait une bonne entrée, qui fait des bonnes entrées, c'est Mehdi Zerkan. Comment vous imaginez pouvoir l'intégrer ? Est-ce que c'est plus dans un milieu, place de milieu relayeur ? Est-ce que c'est plus haut ? Comment vous imaginez pouvoir l'intégrer ? Avec Adli, Zerkan, je pense qu'ils peuvent jouer à des postes différents, tous les deux. Donc il y en a un qui peut jouer en base dans les deux. Zerkan peut jouer offensif. Peut jouer dans les trois du milieu. Bon, c'est des jeunes joueurs, ils n'ont pas encore, il ne faut pas les enfermer dans un rôle bien précis. On va essayer de faire la meilleure équipe pour la plus complémentaire possible. Voilà. Quelles sont ses qualités à Mehdi ? Déjà, il a un gros physique. Il a un gros physique, je ne suis pas sûr qu'il soit à 100%, parce qu'il a eu... Il a eu un début de saison assez perturbé, il a pris le rouge, il s'est fait une entorse, il a eu la sélection. Donc il n'a pas débuté un match depuis un bon moment. Il jouait 90 minutes au jour d'aujourd'hui avec le rythme qu'il y a, c'est difficile. Et après il a une bonne technique, il se projette, il joue comme un milieu offensif, il a la technique de numéro 10. Et il va avoir l'efficacité. C'est un garçon qui doit arriver et marquer des buts. Comment il a encaissé justement ce début de saison ? C'est vrai qu'il fait une super prépa, il est titulaire. Et boum, ça lui tombe dessus. Comment il a encaissé ça ? Comment il a le fait de monter ? Non, c'est la blessure qui était plus ennuyeuse que ce qu'on pensait. Parce qu'il a eu une entorse à la limite des ligaments. Donc il fallait être très, très patient. On se disait, il a pris deux matchs, ça va aller, mais on a attendu 4 ou 5 semaines avant qu'il puisse retrouver la souplesse de la cheville. Là, je pense que ça va mieux maintenant. Il n'y aura que le temps de jeu qui va le finir pour faire un match plein de haut niveau. C'était lui manque, c'est son côté tueur. Non, je pense pas. C'est un milieu créateur, c'est pas un attaquant. Les tueurs, normalement, ce sont les gens qui jouent devant. Après, si on a des joueurs du milieu qui se transfèrent et qui finissent, bon, c'est un plus à la panoplie. Ça, c'est le cas contre Nîmes. Comment ? Il a deux situations contre Nîmes. Oui, il aurait pu... il a fait une passe décisive pour Jimmy. Jimmy a donné à Rémi Houdin. Et il a eu une ou deux situations tête à tête. Il faut arriver à... Ça ne suffit pas d'y arriver, il faut marquer. C'est le plus dur au football de marquer un but. Jean-Louis, un mot sur le contexte général de ce deuxième confinement. Est-ce qu'il y a eu une crainte que le championnat s'arrête à nouveau ? Et est-ce que c'est un soulagement de voir que ça continue ? Bien sûr que c'est un soulagement. Nous, on peut faire notre métier. On sait que les gens doivent... On a fait le premier confinement chez nous. Donc on sait que la journée est longue, qu'on a une petite heure pour aller soit faire un footing, soit faire du vélo, mais les 23 heures qui restent, c'est quand même long. Nous, on a la chance, on est des privilégiés. Oui. On est des privilégiés. Donc on fait notre boulot, il fait beau, demain on part à Monaco. Donc
Et Laurent m'a parlé, il s'estime chanceux de pouvoir continuer à jouer dans les conditions presque normales. Bien sûr, ils ont raison. Ils ont raison, c'est normal. Est-ce que, dans votre rapport aux joueurs et dans ce que vous allez proposer justement dans les semaines à venir, en sachant que eux, en dehors, pour le coup, ils sont quand même confinés chez eux, est-ce que ça peut changer ce que vous allez proposer dans la vie de groupe, dans le management ? Non. Non, notre vie ne va pas changer. On va se réveiller le matin pour venir à l'entraînement. On va manger ensemble au château parce qu'il faut qu'on ait une hygiène de vie. Et après, ils rentreront chez eux, ils confineront, mais il n'y aura que la moitié de la journée. Ça ne change rien. Il y aura plus de huis clos aussi ? Pas de huis clos, de mise au vert éventuel ? Comment ça se passe avec les hôtels ? Normalement, les restaurants des hôtels sont fermés. Mais je pense que pour les groupes pro, ils vont juste ouvrir pour nous. D'accord. Pour le moment, c'est ce qu'on m'a dit. Donc là, à Monaco, c'est ça, et la mise au vert ici, c'est pareil. Laurent Koscielny, est-ce qu'il est apte à reprendre ce week-end ? Il a repris. Il a repris hier matin. Il a fait une très belle séance, hein, et aujourd'hui, il a récupéré. Demain, il fera la dernière séance, bien sûr. On a encore une séance pour voir encore tout le monde, mais je pense que ça va être bon. Et où en est Kalou dans sa reprise ? Kalou, c'est une récidive sur un problème musculaire. Là, il a repris un petit peu le footing. Quand c'est une récidive, il faut pas être pressé. Donc, on va prendre le temps. Dommage. Dommage parce que il montait en puissance, il arrivait à trouver ses marques. C'est le destin. Koscielny, vous dites que vous pensez que ça va être bon pour qu'il soit dans le groupe ou vous pensez à ce qu'il soit titulaire ? À partir du moment où hier il m'a rassuré à l'entraînement, s'il est à 100%, il joue. Vous disiez dans les derniers jours du mercato que Basic s'en gardait un peu sous la semelle. Est-ce qu'il a retrouvé toute sa concentration aujourd'hui ? Comme 3, 4, 5 joueurs, on dirait qu'il est un peu moins bien par séquence. Mais je pense que c'est plus un problème collectif de confiance que d'un joueur lui-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que quand l'équipe joue bien et qu'il est sur le terrain, il joue bien avec eux. Quand l'équipe joue mal, il faut qu'il arrive à lui nous remettre dans le sens du jeu. Il l'a eu fait, il le fait quand on a la maîtrise du jeu, donc il faut, pour devenir un grand joueur, il faut mettre l'équipe à l'endroit. Merci. Merci Jean-Louis. Merci. Merci.
pour moi. C'est bien. On y va. Tu as joué, je crois, 20-25 minutes, après 30 minutes sur les 3 derniers matchs. Tu as hâte de débuter maintenant? Ça commence à manquer. Oui, quand on est joueur, on a hâte de débuter. Après, je reviens d'une blessure assez compliquée, donc je suis pas encore à 100%. Mais après, ouais, mon tour viendra et ça sera à moi de faire en sorte que je sorte plus de l'équipe. Comment tu vis un peu ce début de saison avec cette prépa plutôt très bonne, le carton rouge, la blessure, voilà, est-ce que c'est... Ça a été dur à encaisser, comment t'as vécu tout ça? Ah, c'est vrai que je sors d'une bonne préparation, j'ai fait des bons matchs, c'est pour ça que j'ai été récompensé par le coach de m'avoir mis titulaire le premier match en championnat. J'étais super content. Après, c'est vrai que le carton rouge, je laisse mon équipe à 10, je les mets en difficulté. Après, la semaine d'après, je me fais une entorse de la cheville, donc ouais, un peu de galère, mais j'ai bien travaillé avec le staff médical pour revenir le plus en forme possible et réintégrer le groupe. T'as eu peur? Quand il y a eu l'expulsion, la blessure, de te dire ah, ça y est, ma chance est passée. Et je vais... Non, pas peur, pas spécialement peur, triste, parce que je laisse mon équipe à 10 quand même, au bout de 20 minutes de jeu, je tue le match. Mais après, pas peur, parce que le foot s'est fait de haut et de bas, donc voilà. Comment tu vis aussi tout ce qui se passe? Tu as eu la sélection, premier appel en sélection et tout ça, ça va très très vite sur les 3 derniers mois, comment tu gères tout ça? Bah, je suis entouré de bonnes personnes, j'ai une famille, j'ai un père qui me parle souvent. Donc je m'enflamme pas, je travaille, je continue à travailler, à progresser, à écouter les conseils des joueurs. Et voilà, faut pas s'enflammer dans ce monde parce que ça peut vite redescendre. Cette philosophie, c'est aussi la leçon de tes années monégasques, finalement. Oui, c'est vrai que voilà, je suis resté 6 ans à Monaco. Il y a eu des hauts et des bas aussi. J'en garde de bons souvenirs. Après, c'est vrai que pour ma part, moi, ça s'est pas bien passé. J'ai pas eu la confiance que comme Bordeaux m'a donnée. Voilà, je suis un joueur, j'aime beaucoup avoir la confiance. Donc voilà, ça s'est pas très bien passé. Concrètement, quand tu dis que Bordeaux te donne sa confiance, c'est quoi? C'est le Alain Roche, c'est Jean-Louis qui te parle souvent, c'est quoi concrètement? Le directeur sportif me parle beaucoup, même les coachs, le staff, je sens qu'ils sont derrière moi. Voilà, j'ai eu une prolongation jusqu'en 2024, donc ça me prouve que le club me donne confiance et que j'ai juste à leur rendre sur le terrain. L'histoire de la prolongation, justement, c'est le club qui est venu vers toi en 10 ans, c'était dans l'air du temps, c'était comment? Bah, c'est voilà, le club, on en a parlé avec mon agent, et voilà, ça s'est fait tout seul. C'était pendant ta blessure, donc c'est vrai, ouais. Que c'est une marque si importante, quoi. Non, ils m'ont toujours soutenu, même malgré ma blessure, ils étaient derrière moi, voilà, je les remercie. Tu sentais que ça partait bien cette saison avec la préparation sous les ordres de Paulo Sousa, quand tu as vu monter crescendo, notamment le match de Reims. Ouais. Tu sentais que c'était vraiment la bonne année? Bah, elle n'est pas finie. Non, mais tu sentais que c'était vraiment la bonne année parce que... Non, en tout cas, je me sentais bien dans les matchs de préparation, ouais, j'enchaînais les matchs. Après, comme je vous ai dit, le carton rouge et la blessure, c'est vrai que ça freine. Mais après, une saison, c'est long, il reste beaucoup de matchs. Et voilà, c'est à moi de bien travailler, de bien progresser pour, voilà, pour revenir le plus en forme possible. Qu'est-ce qui fait que tu as franchi le cap ici à Bordeaux d'accéder au groupe pro, là où Monaco, bah, justement, tu ne l'avais pas franchi pour toi? C'est quoi la différence? Bah, à Monaco, en fait... Moi, je suis rentré avec un an d'avance là-bas. Et les pros, c'était Radamel Falcao, c'était les James Rodriguez. Donc, il n'y avait pas beaucoup de place pour les jeunes. Comparé au coach Nico Kovac, là, il fait jouer les jeunes. Alors que moi, je suis arrivé dans une période où il n'y a que Kylian Mbappé qui est vraiment monté. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour les jeunes. Hein. Alors qu'ici, tu sens quand même que le projet du club, il est plus axé sur les jeunes, oui, tu as des responsabilités. En plus, le coach, c'est un formateur, on l'a vu à Saint-Etienne quand il était là-bas, il a fait jouer des jeunes. Donc, ouais, c'est notre philosophie. T'as eu des doutes quand même, le fait de ne pas jouer en première la saison dernière? Le fait de se dire, bon, est-ce que finalement, ils vont vraiment compter sur moi pour l'équipe première? Ben, l'année dernière, j'ai commencé avec la CFA, j'ai fait 3 mois. En novembre, ben, contre Monaco, j'ai intégré le groupe pro, j'étais sur le banc. Après, j'ai continué à travailler avec l'ancien coach. Voilà, je travaillais, j'ai fait des groupes. Mais après, il m'a parlé, il me disait que j'étais pas prêt pour encore de jouer en Ligue 1. Après, voilà, j'accepte toute décision, après je travaille, c'est tout. Ouais. Il t'a expliqué pourquoi il te sentait pas prêt encore à... Non, sincèrement, il m'a pas expliqué comme ça, mais il me disait, bah ouais, t'es pas prêt encore. Mais je faisais les entraînements avec lui tout le temps, et voilà. Et la saison en N2, t'as servi aussi? En N3. En N3,
Oui, ça m'a servi, oui, c'est vrai que bah moi quand j'ai commencé j'ai joué Sentinelle parce que j'avais un gros problème sur je défendais pas trop quand j'étais à Monaco. Et l'ancien directeur sportif Souleymane Cissé m'a ramené de Monaco et m'a dit que voilà maintenant c'est comme une sorte de dernière chance qu'il fallait que je travaille mes points faibles, genre la défense. Il m'a positionné Sentinelle. Voilà, j'ai intégré la CFA en ayant joué Sentinelle. Après j'ai pris le brassard de capitaine. Voilà, j'ai enchaîné les matchs. Et après, lors d'une trêve, je suis monté avec les pros et voilà, je suis resté. Aujourd'hui, c'est quoi ton poste privilégié alors? Moi, où le coach me fait appel, je joue, hein. Je peux jouer ailier droit, je peux jouer dans les trois milieux, un peu partout, devant. À Monaco, tu étais utilisé à quel poste surtout? Ailier droit. Ailier droit. Ouais. Ici, avec ta blessure, du coup, tu as affaire à des joueurs expérimentés, comme Cosigné ou Dimitri Briand, qui ont Ouais. reçu des blessures. Est-ce que tu allais les voir pour savoir comment est-ce qu'ils avaient fait dans ces moments-là pour rebondir assez vite? Ben, sincèrement, ils m'ont beaucoup parlé parce que j'étais super triste après avoir pris le rouge et en m'ayant blessé aussi. Ils m'ont beaucoup parlé, ils m'ont dit c'est pas grave, voilà, nous aussi ça arrive, tout ça. Maintenant, faut que tu bosses dur pour que tu reviennes vite. Donc, ils m'ont beaucoup parlé. C'est vrai que c'est des grands frères pour nous, pour les jeunes en tout cas. Ils nous parlent bien. En fait, on a une bonne équipe qui. On est solidaire vraiment. T'es bluffé en parlant de justement, je parle de joueurs expérimentés. Est-ce que t'es bluffé de voir Briand à 35 ans faire encore ce qu'il fait? Oui, c'est vrai que c'est des joueurs comme Laurent Koscielny, comme Ben Costil. Ça, c'est des joueurs qu'on était jeunes, nous. Bah, je parle de moi, bah, je les voyais à la télé. Maintenant, de jouer avec eux, c'est vrai que c'est un honneur. En tout cas, le matin, quand je me réveille, j'ai le sourire. Hein. Sans but en Ligue 1, ça t'évoque quoi? Ah, bah, c'est le rêve de chaque attaquant, en tout cas. C'est voilà, c'est un grand professionnel. On le voit chaque matin quand il va en salle, les soins qu'il fait. On voit que c'est un grand professionnel et il mérite. T'apprends beaucoup de ce genre de joueur et dans quel domaine? Déjà devant le but, il est impressionnant devant le but. Et après, c'est vrai qu'il donne beaucoup de conseils. En tout cas, pour moi, il me donne beaucoup de conseils. C'est vraiment un grand frère et voilà. Et il me donne beaucoup de conseils, il me parle beaucoup. Voilà. Quand on a 20 ans et qu'on voit débarquer Athem Ben Arfa dans son équipe, ça change quoi? Ah, vous savez, Athem, on sait tous ce qu'il vaut. C'est un plus pour nous. C'est voilà, on connaît ses qualités individuelles, c'est comment il prend la balle et comment il fixe tout ça. Donc, et c'est vrai qu'il sent le foot. Donc, quand on joue avec lui, c'est un grand plaisir. Il vous parle un petit peu Oui, déjà? Ouais, on se parle beaucoup. Oui. Sur quoi? Sur qu'est-ce qui. Non, sur la vie, sur le foot, sur tout, hein. Il est pas dans son coin, il vient vers nous, on va vers lui. C'est vraiment, on a une bonne cohésion. Pour revenir sur un peu sur le jeu sur Monaco, tu disais qu'il y avait des hauts et des bas. C'est Ouais. quoi les hauts, c'est quoi les bas? Ah, Léo, c'est ma saison en Youth League que je fais. C'était vraiment une compétition. Bah, c'est la Ligue des Champions des jeunes. Pour moi, j'ai kiffé, c'était vraiment bien. On est parti à Dortmund, à l'Atlético de Madrid, tout ça. C'était une belle expérience. Après les bas, c'est je me suis entraîné peut-être 3-4 fois en pro. Voilà, c'est ça un peu. Et j'ai pas ressenti la confiance, c'est ça en fait, quand je parle de bas. C'était avec Jardine, c'était avec Henri, c'était avec qui à l'époque? Bah, en fait, il y a eu Jardim. Ouais. Après, Henri est venu. Et après, Jardim est revenu. D'accord. Tu avais beaucoup d'offres avant d'arriver à Monaco. Est-ce que quand t'as pas eu de contrat pro là-bas, est-ce que tu avais beaucoup d'offres d'autres clubs aussi? Ou tu t'es senti oublié à un moment Non, pas oublié. Après, moi, je connais mes qualités. Et voilà, je suis un joueur. Je sais que je peux rebondir ailleurs. Et Bordeaux m'a pris. Et je pense m'épanouir pleinement ici. En tout cas, je suis heureux, vraiment. Mais t'avais beaucoup d'opportunités à ce moment-là ou s'il n'y a que Souleymane qui t'a. Ouais, sincèrement, en fait, c'est mon agent qui s'occupe de ça. Ouais. Moi, je m'occupe vraiment pas de ça. Et il voulait pas trop me dire. D'accord. Et pour toi, tu dis que tu connais tes qualités. Pour toi, c'est quoi tes plus grandes qualités? Mes plus grandes qualités, je pense, la technique, la vision du jeu et me projeter vite vers l'avant. Après, C'est le ça bonheur. sera à vous de me les dire quand je jouerai. Tu t'es fixé un objectif de but et de passe d'aise cette saison? Non, sincèrement, je prends match après match. Le plus important, c'est de gagner, hein. Après, les buts et les passes dés viendront naturellement. Tu fais une bonne rentrée contre Nîmes, mais il y a deux situations où il n'y a pas la finition au bout. Ouais. Comment c'est encore un secteur à travailler? Oui, Quand tu te retrouves. C'est vrai que la finition, c'est un secteur à travailler. De toute façon, dans tous les secteurs, je dois travailler. Je suis jeune, je dois progresser. Mais c'est vrai que la finition, c'est vrai que j'ai un peu de mal. Ouais.
une question d'habitude. C'est une question d'habitude, peut-être. Tu es peut-être pas souvent. Après, peut-être, ouais, peut-être, je suis pas souvent devant le but. Mais en tout cas, à l'entraînement, je travaille vraiment devant le but. Même si des fois, je loupe, mais ouais. Si, juste quand même ce match, le match à Monaco. Est-ce que déjà, c'est particulier pour toi d'y remettre les pieds et puis voilà, au niveau collectif, comment tu le vois? Oui, c'est après Monaco, c'est un grand club, c'est avec des bons joueurs individuels. C'est vrai que ça va être un match difficile après le revers qu'ils ont pris contre Lyon. Et nous, ça sera un match, il faudra confirmer. On va essayer de faire au mieux possible. Après, c'est vrai que Monaco, moi, ça fait partie de ma vie, je suis resté 6 ans là-bas. C'est un match spécial pour moi parce que je vais retrouver des coéquipiers avec qui j'ai joué en Youth League. Voilà, je suis très content d'y retourner. Il y a qui de ta génération? Benoît Badiachil, Elliot Matazo, Sofiane Diop. Il y a beaucoup de jeunes joueurs. Il vous manque cette victoire face à un gros là, vraiment, pour la confiance sur le début de saison? Ouais, je pense qu'il faudrait le déclic, quoi, de gagner un gros pour bien repartir. Merci. Merci, au revoir.